Yo tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui m'a beaucoup été demandé, Naruto Uzumaki contre Sasuke Uchiha. Vous commencez à avoir l'habitude, on va diviser la vidéo en plusieurs rounds, en opposant les différentes versions des personnages, afin de voir comment elles s'en sortiraient les unes face aux autres, et en mettant leur puissance en perspective. Et préparez-vous un petit truc à boire ou à manger, parce qu'on va opposer presque toutes les itérations des personnages, donc on risque d'en avoir pour un moment. Et on commence directement avec les premiers rounds, Naruto contre Sasuke dans la première partie. Let's go! Bon, on va commencer ce combat fictif en opposant les deux versions de Naruto et Sasuke au sortir de l'académie, soit celles qui affrontent Kakashi lors de l'examen des clochettes et qui partent au pays des vagues. Et sans grande surprise, Sasuke remporte ce round facilement. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à ce stade, ce dernier incarne la figure de rival de notre héros. Il représente une force que Naruto va devoir surpasser. Il serait donc illogique que cette version de Naruto soit déjà supérieure à cette version de Sasuke, qui remporterait a priori un combat éventuel dans 90% des scénarios. En effet, ce Sasuke est capable d'utiliser une nature élémentaire de chakra, le Katon, une capacité que Kakashi décrit comme consommant trop de chakra pour un Genin lorsqu'il la voit pour la première fois. J'en parlais notamment dans ma vidéo sur la puissance de Sasuke, mais ce dernier, tout juste sorti de l'académie, est en réalité déjà niveau Chunin, ou du moins il s'en rapproche dangereusement, le tout sans avoir encore réellement développé ses Sharingan. Cette idée est non seulement soutenue par sa maîtrise du Katon qu'on vient d'évoquer, mais aussi par son combat contre les frères démons au début de l'arc du Pays des Vagues. Les deux déserteurs de Kiri sont en effet eux-mêmes des Chunin, mais Sasuke parvient malgré tout à les maîtriser grâce à son excellent Shurikenjutsu, ainsi que son Taijutsu, dont il avait d'ailleurs déjà fait la démonstration face à Kakashi un peu plus tôt. Concernant les réserves de chakra de Sasuke d'ailleurs, beaucoup d'entre vous semblent penser qu'elles sont assez faibles, à en croire certains des commentaires sous d'anciennes vidéos, mais en réalité, sa maîtrise précoce du Katon tend à prouver le contraire, tout comme la déclaration de Kakashi plus tard dans l'arc du Pays des Vagues, qui explique que Naruto et Sasuke ont un gros potentiel, notamment en raison de leur réserve de chakra plus élevée que la moyenne. Voilà, ça fait pas une grosse diff ici, mais je trouvais ça intéressant à préciser. Bref, Naruto est quant à lui limité en ninjutsu à ce stade, ne maîtrisant entre guillemets que le multiclonage, tandis que son taijutsu et sa maîtrise de son chakra sont là aussi plutôt médiocres. Cela dit, si je disais que Sasuke remporterait un combat dans 9 cas sur 10, c'est qu'il existe un scénario dans lequel Naruto pourrait effectivement l'emporter. Je parle bien sûr de l'éventualité où il parvient à réaliser 1000 clones comme face à Mizuki. Dans ces conditions, honnêtement, Sasuke se ferait sans doute déborder, du moins à ce stade de son évolution. Cela dit, Naruto ne semble pas capable d'utiliser ce jutsu sur commande, sinon il l'aurait fait, et il semble avoir besoin d'un bon vieux power-up shonen pour le sortir. Quand je parle de power-up shonen, je fais bien sûr référence à ces fameux gains de puissance des protagonistes, lorsqu'un ou plusieurs de leurs amis sont en danger et qui sont difficilement justifiables autrement que par les besoins du scénario. On pourrait aussi se dire qu'il s'agit là du premier power-up de Naruto grâce au chakra de Kyuubi, mais rien dans le manga ne laisse penser qu'il était boosté au chakra de Kurama à ce moment-là. On reviendra de toute façon sur les différents boosts accordés par le chakra de Kyuubi à Naruto tout au long de la vidéo, mais en gros, ce premier round revient à Sasuke, qui pourrait potentiellement one-shot Naruto avec une boule de feu suprême, ou tout simplement le maîtriser avec son taijutsu. Maintenant, on peut rapidement évoquer un combat éventuel entre les deux versions de Naruto et Sasuke qui affrontent à coup sur le futur grand pont Naruto. Bon, ici, ils ont tous les deux obtenu un power-up grâce à leur entraînement au contrôle de leur chakra, mais dans la mesure où ils ont progressé de manière équivalente, à ceci près que Naruto a dû s'entraîner davantage que Sasuke, ce petit power-up avantage forcément Sasuke qui était préalablement supérieur à Naruto. Sans même ses Sharingan, ce Sasuke parvient à tenir à coup au corps à corps et même à le prendre de vitesse, avant que ce dernier n'utilise sa technique Yoton, les démoniaques miroirs de glace. Et alors qu'il est acculé par le jutsu de Haku, Sasuke parvient à s'adapter rapidement, jusqu'à éveiller, ou je devrais dire rééveiller ses Sharingan, avec deux Tomoe dans son œil droit et un Tomoe dans son œil gauche. Et là, bien sûr, pas besoin de vous dire que ce Sasuke détruirait Naruto en forme de base dans 100% des scénarios. Cela dit, dans ce même combat face à Haku, on a aussi le droit au premier vrai power-up de Naruto via le chakra de Kyuubi. Et là, il suffit de nous référer aux événements du manga pour conclure que ce Naruto pourrait probablement one-shot Sasuke, tout comme il l'a fait avec Haku. Si vous n'êtes pas convaincu, rappelez-vous que Sasuke a tenté de faire fondre les miroirs de glace de Haku avec sa technique la plus puissante de l'époque, la boule de feu suprême, sans succès, là où Naruto les a tout simplement
pulvérisé d'un seul coup de poing. Du coup, si ces deux versions des personnages s'affrontaient, on aurait en gros un 50-50, dans la mesure où Sasuke détruirait Naruto en forme de base, mais si ce dernier s'éveille au chakra de Kyuubi pour X ou Y raison, Sasuke n'aurait aucune chance. En réalité, ces boosts entre guillemets arbitraires de Naruto par Kyuubi sont vraiment fréquents, notamment dans la première partie du manga, et ils influencent bien entendu grandement le niveau de notre héros. D'ailleurs là-dessus, petit aparté, mais c'est à se demander si Kurama ne laissait pas Naruto puiser dans ses réserves dès qu'il en avait l'occasion, comme pour accélérer l'érosion du sceau qui, je vous le rappelle, s'affaiblit avec le temps pour laisser l'opportunité à Naruto de manipuler de plus en plus de chakras de son démon à queue. Or, s'il en déploie trop d'un coup, Naruto peut perdre conscience et se transformer totalement en Kyuubi, et bien entendu, Kurama en a conscience. Il a donc tout intérêt à laisser le sceau s'affaiblir plus vite en partageant volontairement son chakra avec Naruto dès qu'il le peut. Alors attention, ce que je vous dis là, ça relève de mon interprétation et c'est pas officiellement dit dans l'œuvre, mais disons que ça semble logique, non seulement au regard des intentions initiales de Kurama de prendre le contrôle de Naruto, mais aussi de certains événements. Car d'abord contre Haku, puis contre Orochimaru, lors de l'entraînement avec Jiraiya ou encore face à Neji puis Gaara, Kurama semble avoir aidé Naruto à chaque fois. De ce point de vue, Naruto pourrait en fait utiliser le chakra de Kurama un peu sur demande, du moins dans la limite de ce que le sceau lui permet à ce moment T. Donc dans un combat à mort face à Sasuke à ce stade de l'histoire, on pourrait partir du principe que le chakra de Kurama fait en fait déjà partie de l'arsenal de Naruto, au même titre que les Sharingan de Sasuke par exemple, même si, encore une fois, la quantité de chakra de Kyuubi auquel Naruto aurait accès varierait en fonction de l'état du sceau. Avec ce raisonnement, si on reprend par exemple notre combat Naruto versus Sasuke à la fin de l'arc du Pays des Vagues, peu importe la supériorité théorique de ce Sasuke en tant que Shinobi sur Naruto, si ce dernier en a vraiment besoin, il déploie le chakra de Kyuubi et finit par l'emporter. Ça peut paraître un peu facile dit comme ça, mais je veux dire, les faits sont là et toute la première partie regorge d'exemples qui soutiennent cette idée et sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Voilà, donc je referme cette longue parenthèse qui me semblait importante, et on va dire que sur ce round, Naruto aurait donc légèrement plus de chances de l'emporter si on se réfère à tout ce que je viens d'expliquer. Bon, maintenant, on va opposer les versions de Naruto et Sasuke dans la forêt de la mort. Et quoi de mieux pour les comparer que d'évoquer leurs performances respectives face à un adversaire commun ? Orochimaru. Dans ce combat, Naruto déploie une partie du chakra de Kurama comme face à Haku, mais se fait immédiatement maîtriser par Orochimaru qui resserre justement le sceau de Naruto avec son Gokyo Fuin. En voyant Naruto tout donner face à Orochimaru, Sasuke décide de prendre son courage à deux mains et affronte le Sanin légendaire qui le terrifiait pourtant juste avant. Ce nouveau souffle offre à Sasuke un power-up assez conséquent qui se manifeste par l'apparition d'un deuxième Tomoe dans son œil gauche. Grâce à ça, Sasuke semble nous sortir un meilleur combat que Naruto face à Orochimaru, donc on aurait tendance à dire que cette version de Sasuke est supérieure à Naruto, même boostée au chakra de Kyuubi étant donné la faible quantité dont il dispose à ce stade. Cela dit, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Orochimaru souhaite à ce moment-là tester les capacités de Sasuke, dont il veut s'approprier le corps, je rappelle, donc s'il ne le one-shot pas comme il l'a fait pour Naruto, on pourrait défendre qu'il voulait juste s'amuser, ce qui est d'ailleurs fortement suggéré dans le manga. De toute façon, il est clair que s'il l'avait voulu, Orochimaru aurait détruit Sasuke sans effort, je veux dire, on parle quand même d'un Sanin légendaire contre un Genin, un génie certes, mais un Genin tout de même. Du coup d'après moi, il serait plus cohérent de se dire que ce Sasuke et ce Sharingan à deux Tomoe est dans le même tiers de puissance que Naruto lorsqu'il déploie la même quantité de chakra Kyuubi que face à Haku, qu'on appelle parfois Naruto version 0. Cela dit, personnellement, je donnerais la victoire à Naruto avec un niveau de difficulté élevé à extrême, de par ses réserves de chakra ainsi que ses capacités de régénération déjà totalement fumée. Mais bon, en vrai, libre à vous de penser le contraire, on est clairement sur un match-up très serré. Bon, round suivant, Naruto versus Sasuke lors de l'épreuve finale de l'examen Chunin et l'attaque de Konoha par Otto. Et là, plus que jamais, plusieurs variables entrent en compte. On sait que ce Sasuke a obtenu un énorme power-up en apprenant le Chidori, qui lui demandait en parallèle de développer une grande vitesse afin d'être utilisé à son plein potentiel. Avec ce nouveau jutsu et cette vitesse nouvelle, Sasuke est comparable à Lee sans ses poids, voire même supérieur. En termes de puissance de feu, Sasuke est carrément capable de briser la défense supposément
talent impénétrable de Gaara et de le blesser, dépassant ainsi la force de frappe de Lee avec les portes. Ça paraît fou dit comme ça, mais les faits sont là. Gaara a tanké la fleur de lotus verso de Lee, là où le Chidori de Sasuke l'a fait saigner. Cela dit, niveau power-up, Naruto n'est pas en reste non plus. En effet, lors de son entraînement avec Jiraiya, ce dernier a desserré le sceau retenant le chakra de Kyuubi et qui avait été refermé par Orochimaru un peu plus tôt comme on l'a dit. Grâce à ça, Naruto a désormais accès à plus de chakras bijoux que jamais, comme en témoigne notamment sa capacité à invoquer Gamabunta, ou encore sa propre déclaration lorsqu'il fait face à Neji et qu'il décrit le chakra Kyuubi qu'il exploite comme plus puissant que jamais. Naruto parvient d'ailleurs à vaincre Neji, en partie grâce à son chakra Kyuubi, ce dernier étant pourtant décrit à plusieurs reprises comme supérieur à Lee, même avec les portes. Alors, on garde le débat Lee 5ème porte versus Neji pour une autre fois si vous le voulez bien, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Naruto comme Sasuke semblent avoir tous deux dépassé les niveaux de Lee et Neji, qui leur étaient pourtant largement supérieurs au début de l'arc. Ainsi, là encore, Naruto et Sasuke seraient dans un tiers tout à fait comparable en termes de puissance, et on pourrait s'arrêter là et dire que ce combat est encore un 50-50, mais je vous l'ai dit, il y a plein de variables qu'on n'a pas encore vues. En effet, ces deux nouvelles versions des personnages partagent là encore un adversaire commun, cette fois-ci Gaara. Et face à ce dernier, Naruto comme Sasuke bénéficient encore de power-ups supplémentaires. D'abord, Sasuke fait usage de sa marque maudite pour la première fois, même si à ce stade, elle ne constitue qu'un boost momentané et finit systématiquement par l'incapacité. Ensuite, Naruto cumule le boost de l'amitié dont on parlait en première partie au chakra de Kyuubi et à sa capacité à invoquer Gamabunta. Et là les potes, je vais pas vous mentir, mais même si Sasuke gagne en puissance brute avec sa marque maudite, je ne vois vraiment pas comment il pourrait faire face à ce Naruto. D'ailleurs, en voyant ce dernier affronter Gaara, Sasuke s'avoue lui-même totalement dépassé par le niveau de la bataille entre les deux Jinchuriki, donc bon, difficile de faire plus clair. Du coup, malgré les gros power-up de Sasuke, ce dernier n'a d'après moi aucune chance face à Naruto à ce stade. Gamabunta est vraiment monstrueux, puisqu'il a réussi à échanger des coups avec Shukaku hein, quand même, donc qu'est-ce que Sasuke pourrait bien faire face à ça, sans parler de Naruto lui-même qui dispose, comme on l'a dit, de plus de chakra Kyuubi que jamais, en plus de sa capacité à produire 1000 clones. Ce Naruto l'emporte donc dans 100% des scénarios, et d'ailleurs c'est à partir de là que Sasuke va commencer à remettre en question la vitesse de sa progression, et envisagera pour la première fois de rejoindre Orochimaru pour devenir plus puissant plus rapidement, ce qui en dit assez long sur les rapports de force entre les deux rivaux à ce stade de l'histoire. Bon, ensuite, on pourrait évoquer le bref combat entre Sasuke et Naruto après que ce dernier ait appris le Rasengan, mais bon, on a eu le droit à cet affrontement dans le manga sur le toit de l'hôpital, et je pense que malgré l'intervention de Kakashi, son issue aurait été assez évidente. En effet, le sensei de l'équipe 7 dit carrément à Jiraiya que Naruto aurait pu tuer Sasuke s'il n'était pas intervenu. Et finalement ça fait sens, hein, puisqu'on prend ici les mêmes versions des personnages que dans le round précédent, mais on donne juste un nouveau jutsu de rang A encore plus puissant que le Chidori à Naruto. C'est d'ailleurs cette confrontation, couplée au fait qu'il se soit à nouveau fait détruire par Itachi dans l'arc précédent, qui confortera Sasuke dans son choix de rejoindre Orochimaru. Enfin, on va évoquer les deux versions de Naruto et Sasuke qui s'affrontent pour la première fois dans la vallée de la fin. Et alors là, on connaît le résultat, hein, puisqu'on l'a vu dans le manga, mais je trouve intéressant d'expliquer comment Sasuke obtient un nombre de power-up assez incroyable jusqu'à dépasser Naruto. En effet, après s'être fait goumer par le quartet du son, Sasuke accepte de suivre un rituel bizarre qui consiste à le faire entre guillemets mourir, afin d'éveiller sa marque maudite au second stade. Et vraiment, ce power-up, on n'en parle pas assez, mais il est super impressionnant. Désormais, grâce à la marque maudite, Sasuke est capable de repousser Naruto et ses clones en forme de base, donc en activant ses Sharingan, en plus de sa marque maudite, Sasuke dépasse largement Naruto. Bon, pour compenser, ce dernier utilise sa version 0, mais ça a pour effet d'éveiller un troisième Tomoe dans chaque Sharingan de Sasuke. Ce dernier garde donc le dessus, car pour rappel, l'éveil du troisième Tomoe constitue là encore un gros power-up. En effet, il s'agit de l'évolution finale du Sharingan classique, et ça offre à l'utilisateur un boost colossal, notamment en matière de perception, ce qui augmente considérablement son temps de réaction. Mais bon, une fois n'est pas coutume, Naruto power up à nouveau en déployant pour la première fois un manteau de chakra et une queue, chacune des queues étant représentative de la quantité de chakra Kyuubi libéré sous cette forme, qu'on appelle la version 1. A ce stade, Naruto utilise bien plus de chakra Kyuubi que jamais, et il repousse facilement Sasuke grâce à ses bras de chakra et à ses ondes de choc. Ce dernier est donc forcé d'utiliser
utiliser la version 2 de sa marque maudite, lui offrant là encore un énième power-up. Grâce à cette ultime boost, Sasuke parvient à prendre le meilleur sur Naruto version 1. Alors, sur le papier, ça paraît plutôt serré, et je vois souvent des gens dire que si Sasuke a gagné, c'est parce que Naruto a tenté d'abîmer son bandeau frontal, un geste symbolique pour lui, là où Sasuke l'empale dans le torse comme pour le tuer, et finalement c'est pas faux. Mais il y a quand même plusieurs éléments qui soutiennent l'idée que Sasuke marque maudite niveau 2 est réellement supérieur à Naruto version 1. Déjà, on voit bien que Sasuke n'a pas non plus l'intention de tuer Naruto, vu que déjà, il ne le fait pas par opposition idéologique à son frère, et qu'en plus, il l'a bien vu plus tôt dans leur combat, mais percer la poitrine de Naruto ne suffit pas à le tuer. Donc si Naruto n'a certes pas attaqué avec l'intention de tuer, je pense qu'on peut dire sans trop prendre de risques que Sasuke non plus. En plus, autre élément important, durant tout l'arc, on met en avant la supériorité du Rasengan sur le Chidori. Que ce soit sur le toit de l'hôpital ou plutôt dans leur combat, Kishimoto insiste vraiment là-dessus, et le pire c'est que là où Sasuke ne peut pas utiliser trop de Chidori dans la journée sans risquer d'épuiser tout son chakra, Naruto ne semble même pas limité dans l'utilisation de la technique. Donc finalement, le fait que Sasuke ait pris le meilleur dans le clash Chidori contre Rasengan implique qu'il compense l'infériorité de son jutsu par sa supériorité globale sur son adversaire. Voilà donc pour ce dernier round de la partie 1, Sasuke remporte le combat avec un niveau de difficulté très élevé tel que dépeint dans le manga. Du coup, au final, dans la première partie, Sasuke est bien supérieur à Naruto si on retire le chakra Kyuubi de l'équation, et ce jusqu'à la fin de l'arc de l'examen Chunin, où Naruto connaît une progression exponentielle. Il reste donc supérieur à son rival jusqu'à ce que ce dernier ne le dépasse à nouveau via son ultime power-up dans la vallée de la fin. Bon, au début de Shippuden, il n'y a pas vraiment de match. Sasuke a largement plus progressé que son rival, car Naruto est juste un peu plus réfléchi, a développé une nouvelle version améliorée du Rasengan, et peut désormais activer la version 0 sur commande, là où Sasuke a encore amélioré son dojutsu, a développé plusieurs variantes de son Chidori, et a encore progressé physiquement, notamment grâce à la marque maudite, mais aussi aux nombreuses expériences menées sur son corps par Orochimaru et Kabuto, telles qu'expliquées par Tsunade à Sakura. Et de toute façon, on a bien vu ce Sasuke victimiser Naruto et sa team dans le deuxième arc de Shippuden, donc bon, on va pas s'attarder. On peut quand même rappeler que ce Sasuke est vraiment chaud et qu'on a tendance à l'oublier, genre non seulement le mec a mis un coup de pression à Kurama avec ses Sharingan, réprimant temporairement son chakra en Naruto au passage, mais en plus, il est si rapide qu'il parvient à s'approcher de Naruto sans laisser le temps à ce dernier ni à Yamato de réagir. Du coup, cette version de Sasuke l'emporte sans difficulté, sans compter qu'il peut en plus utiliser Kirin si besoin, un jutsu de rang S avec lequel il contrôle la foudre en la faisant tomber du ciel et en la dirigeant avec son chakra. Avec ça, nul doute qu'il pourrait juste one-shot Naruto et même le tuer. En plus, si Sasuke est capable de réprimer temporairement le chakra de Kyuubi, il reste d'après moi supérieur à Naruto en version 0 comme on l'a vu dans le manga, et même en version 1 vu que c'était déjà le cas dans la vallée de la fin, et qu'après plus de 2 ans d'entraînement, l'écart s'est encore creusé. Orochimaru confirme d'ailleurs cette idée lorsqu'il dit à Naruto, alors en version 1 avec 3 queues, que ce n'est toujours pas suffisant pour vaincre Sasuke. Bon par contre, dès que Naruto atteint le stade 2 de transformation en Kyuubi, il dépasse largement Sasuke, car dans cet état, Naruto repousse Orochimaru et a blessé mortellement Jiraiya, donc ça en dit long sur la puissance brute de la version 2. Cela dit, cette transformation est très situationnelle, donc Sasuke reste assez largement supérieur à Naruto au global. Après ça, on peut opposer le Sasuke qui affronte Deidara au Naruto qui affronte Kakuzu. Sasuke dispose désormais d'une partie du chakra d'Orochimaru, qui lui offre un boost non négligeable et qui lui ouvre l'accès à certaines techniques du Sanin, telles que la permutation du serpent ou son invocation Manda. Naruto a quant à lui accès à une nouvelle technique de rang S dévastatrice capable de one-shot un membre de l'Akatsuki, le Rasen Shuriken. Mais bon, en réalité, il est assez clair que Sasuke lui reste supérieur. Déjà, narrativement, il est largement suggéré que Sasuke reste au-dessus. En effet, ce dernier remporte son combat face à Deidara, bien qu'il s'en sorte de justesse en poussant son adversaire au suicide, là où Naruto ne fait que porter le coup final lors de son combat contre un membre de l'Akatsuki, Kakuzu.
Kishimoto insiste d'ailleurs sur le fait que Naruto se sent toujours inférieur à Sasuke et souhaite se prouver à lui-même qu'il peut le surpasser. Et à ce moment-là, même si Kakashi dit qu'avec ce nouveau jutsu, Naruto l'a dépassé, ça ne prouve en rien qu'il est également supérieur à Sasuke. En effet, on l'a dit, Sasuke a vaincu Deidara, contre qui Kakashi n'a pas pu gagner et qui l'a même forcé à utiliser deux fois son Kamui résultant en son hospitalisation. Alors perso, j'ai l'impression que Kakashi se sous-estime en disant que cette version de Naruto l'a déjà dépassé, mais même en partant du principe que c'est le cas, tous les éléments du lore et parallèles narratifs qu'on a dressés tendent à prouver qu'il n'a pas encore dépassé Sasuke. Concrètement, si ces deux-là devaient s'affronter à ce moment de l'histoire, la seule chance de Naruto serait de frapper Sasuke avec son Rasen Shuriken, ce qui me paraît peu probable. Car pour rappel, Naruto a eu besoin du soutien de Kakashi et Yamato, ainsi que d'une diversion avec ses clones, pour réussir à frapper un Kakuzu, déjà pourtant bien affaibli par ses combats précédents. Or en pur 1 contre 1, les Sharingan de Sasuke devraient lui permettre d'anticiper ce type de diversion, et sa versatilité lui donne tout simplement trop de conditions de victoire par rapport à Naruto. Je dirais donc que ce Sasuke remporte encore ce round, cette fois disons avec un niveau de difficulté moyen. Bon, après ça, les rapports de force entre les deux rivaux évoluent, puisqu'on passe maintenant à Naruto Mode Ermite face au Sasuke Mangekyo Sharingan qui affronte Killer B. Et bon, non seulement Zetsu dit lui-même à Sasuke que Naruto l'a dépassé, mais en plus, si on se penche en détail sur le match-up, on s'aperçoit que l'écart entre les deux est assez conséquent. En effet, le Sasuke qui affronte B ne dispose plus de sa marque maudite, et est encore inexpérimenté avec les pouvoirs de son Mangekyo Sharingan. Il se fait malmener par Killer B, et sans l'aide de Jugo, Suige et Karin qui le soigne à plusieurs reprises, Sasuke aurait sans doute été vaincu. Et même lorsqu'il lance un Amaterasu sur Bi, alors totalement transformé en bijou, on pourrait croire qu'il en vient à bout, mais en réalité, Bi parvient à permuter tranquillement avec un de ses tentacules afin de prendre la fuite. Naruto Mode Ermite est de son côté propulsé dans une toute nouvelle sphère de puissance, dans laquelle il atteint le niveau Sanin en dépassant son sensei Jiraiya dans les arts ermite et en perfectionnant son Rasen Shuriken. Or on l'a vu, Sasuke a été dominé au global par Killer B, qui est pourtant lui-même de niveau Sanin, étant d'une puissance semblable à celle du Raikage E, qui est lui-même comparable à Tsunade. Donc là où Naruto a atteint ce niveau, je dirais que Sasuke n'y est pas encore, même s'il est en bonne voie. De la même manière, on a vu que Sasuke s'est fait démolir le torse par B version 1 avec son Lariat, là où Naruto Mode Ermite a réussi à repousser le Kyuubi entier avec un barrage de Rasengan et un Rasen Shuriken. Et bien sûr, pas besoin de vous rappeler à quel point Kurama surclasse les autres démons à queue comme Gyuki. Alors attention, hein, je dis pas que Naruto Mode Ermite est du niveau de Kurama, mais c'est juste pour soutenir l'idée que Naruto Mode Ermite est un monstre absolu. En témoigne d'ailleurs sa capacité à réagir au Raikage plus tard pendant la 4ème Grande Guerre Ninja. Et pareil, si on extrapole, le 3ème Raikage est au moins aussi rapide, si ce n'est plus rapide que son fils le 4ème Raikage, étant lui-même comparable en termes de rapidité, voire probablement supérieur à Killer B, qui encore une fois a pris Sasuke de vitesse pendant leur combat. Et alors, on pourrait dire que ce Naruto est plus expérimenté avec le mode ermite, et que donc évoquer ses combats face à Kurama et le Raikage serait de la triche, mais en réalité pas du tout, parce que le seul moment où il décide de s'entraîner au Senjutsu, il est interrompu par Sakura. Voilà donc en gros, même avec l'Amaterasu, son meilleur atout, je pense que Sasuke ne pourrait rien faire face à Naruto Mode Ermite. D'autant qu'on a déjà vu des personnages esquiver l'Amaterasu, dont le Raikage justement, qu'on comparait plutôt à Naruto en termes de temps de réaction. Et puis de toute façon, Naruto surclasse Sasuke sur tous les autres plans, donc victoire de Naruto Mode Ermite sur ce round, avec un niveau de difficulté moyen, dépendant de la capacité de Sasuke à exploiter l'Amaterasu. Mais honnêtement, sans Kagutsuchi ou le Susanoo, ça me paraît bien trop compliqué. Maintenant, si on prend le Sasuke du conseil des 5 Kage, c'est une toute autre histoire. En effet, ce dernier progresse très rapidement avec son nouveau Dojutsu, et Karin décrit même son chakra comme plus froid et puissant qu'à l'époque de la marque maudite. Cette version de Sasuke parvient carrément à réagir aux attaques du Raikage avec son Sharingan de base. Et on se rend pas compte, mais ça implique que la haine et la colère de Sasuke ont fait progresser ses Dojutsu jusqu'à atteindre un niveau comparable à celui de Naruto Mode Ermite en matière de perception et de temps de réaction, si on se réfère à ce qu'on expliqué dans le round précédent. Et tout ça, bien sûr, c'est sans parler des pouvoirs de son Mangekyo qui se développe
également de façon exponentielle. Il maîtrise désormais parfaitement ses flammes noires, grâce au pouvoir de son œil droit Kagutsuchi, et il manifeste de plus en plus de parties de son Susanoo, jusqu'à atteindre un avatar d'une taille comparable à celui d'Itachi dans son combat face à Danzo. D'ailleurs, notons que lors de son combat avec le Raikage, les deux shinobi se seraient entretués si Gaara n'était pas intervenu, une performance que la version précédente de Sasuke n'aurait même pas pu rêver réaliser. Ce même Sasuke est par la suite capable d'affronter Danzo et de le vaincre, contre lequel il développe une nouvelle technique, sa flèche de Susanoo, avant de se confronter à Kakashi. Cette nouvelle technique est d'ailleurs si rapide qu'elle force Kakashi à utiliser le Kamui, sans quoi il dit lui-même qu'il serait mort. Pourtant, ce même Kakashi réagira plus tard à plusieurs Jinchuriki version 2 avec son Sharingan de base, ce qui en dit long sur la vitesse réelle de cette attaque de Sasuke, et par extension de Sasuke lui-même. Juste après ça, et alors qu'il vient de se taper contre le Raikage, Danzo puis Kakashi et qu'il commence à perdre la vue, Sasuke parvient à tenir tête à Naruto et son Rasengan avec un Chidori. Bien sûr, pas besoin de rappeler à nouveau les interactions entre ces deux jutsu. Donc ouais, clairement, cette version de Sasuke n'a plus rien à voir avec la précédente, et elle est propulsée dans un tout nouveau tiers de puissance qui lui donnerait toutes ses chances contre Naruto même en mode ermite. En termes d'endurance en plus, Sasuke a quand même montré beaucoup en spammant son dojutsu, en enchaînant un nombre incalculable de combats, etc. Là où Naruto est limité dans l'utilisation de son senjutsu. Et même si je pense que Naruto pourrait endommager ou repousser le Susanoo de Sasuke avec un barrage de Rasengan notamment, voire un Rasen Shuriken, vu qu'on l'a vu repousser un bijou avec et qu'on le sait, seul le Susanoo parfait rivalise avec les bijoux, mais quand même, rien ne garantit qu'il puisse briser le Susanoo de Sasuke. Et de toute façon, je pense que Naruto aurait bien du mal face à des jutsu comme la barrière Amaterasu ou encore Kagutsuchi. Cela dit, il y a un peu une autre façon de voir le truc, car narrativement, il est induit que Naruto et Sasuke sont comparables à ce stade, vu que c'est à ce moment-là que Naruto nous sort son speech selon lequel si Sasuke attaque Konoha, ils devront s'affronter et en mourront tous les deux. C'est d'ailleurs après ça que les deux rivaux décident de devenir encore plus puissants, l'un en se greffant les yeux de son frère, même si c'est également pour retrouver la vue, hein, on va pas se mentir, et l'autre en tentant de maîtriser la totalité du chakra du démon qui l'abrite, donc ça m'étonnerait que ce timing soit totalement le fruit du hasard. Du coup, avec les formes suivantes des personnages, on atteint à nouveau de nouvelles sphères de puissance. Naruto mode chakra de Kyuubi, aka KCM1, et Sasuke Mangekyo Sharingan éternel font déjà partie des shinobi les plus puissants du manga, mais qui des deux est vraiment le plus puissant? Eh bien, pas facile à dire, mais je pencherai plus en faveur de Sasuke. Si Naruto KCM1 est démontré comme ayant dépassé le Raikage en termes de vitesse, Sasuke, qui était déjà capable de réagir à ce même Raikage, dispose désormais du Sharingan ultime, et ses déplacements sont décrits par Madara comme étant ceux d'un Uchiwa ayant développé sa pupille au maximum. Donc Naruto est potentiellement physiquement plus rapide que Sasuke, mais serait-il pour autant capable de le prendre purement et simplement de vitesse? La réponse est non. Cette idée est d'ailleurs soutenue par la capacité de Sasuke à se battre aux côtés de monstres de vitesse comme Naruto KCM, Tobirama ou Minato face à Jubito notamment, sans montrer de faiblesse. On le voit même réagir à une attaque de Jubito pour défendre Naruto, ce qui est super impressionnant. Et même s'il est clair que ce Naruto a bien plus de chakra que Sasuke, ce dernier a un arsenal de techniques bien plus avancé et continue de développer son dojutsu, notamment son Susanoo, jusqu'à atteindre un avatar de plusieurs dizaines de mètres manifestant des jambes face à Jubito. Donc même si ce serait sans doute un combat serré, je vois Sasuke un peu au-dessus dans ce round. Bon, en vrai, il y a aussi une autre interprétation de ces deux versions de nos rivaux, et je serais malhonnête de pas l'évoquer. Car scénaristiquement, Naruto et Sasuke semblent dépeints comme équivalents, que ce soit lors du combat face à Jubi ou encore lorsqu'ils parviennent à combiner leur attaque face à Jubito en y mettant exactement la même puissance. Si on s'arrête donc à cette interprétation, ce serait un 50-50, mais j'avoue que personnellement, je préfère l'autre version du match-up. Bon là par contre, il est temps d'aborder le cas de Naruto KCM2, soit le mode Kurama, et honnêtement les amis, ce Naruto est si loin que j'ai du mal à voir Sasuke avoir ses chances. Dans cette forme, Naruto peut non seulement déployer un avatar de Kyuubi, mais il peut également désormais utiliser l'orbe des démons à queue de Kurama, qui je le rappelle, s'est montré assez puissant pour repousser un orbe combiné de 6 autres bijoux en même temps. En plus, ses réserves de chakra sont tellement immenses qu'il parvient à multiplier par 3 fois le niveau de chakra de Kakashi,
Itachi les réserves de toute l'alliance Shinobi. Et pour rappel, l'alliance est composée de 80 000 Shinobi au début, ils perdent 50% de leur armée le premier jour, donc on va dire qu'il reste un peu moins de 40 000 ninjas sur le champ de bataille. Et alors on pourrait se lancer dans de savants calculs, mais je pense que les quelques chiffres que je viens de vous donner en disent suffisamment long sur la quantité de chakras juste astronomique de ce Naruto. Hashirama comparera même les réserves de Naruto KCM2 aux siennes, donc bon, ça se pose là. Et en termes de puissance de feu, d'endurance et de résistance, ce Naruto est juste trop puissant. D'ailleurs, dans cette forme, on pourrait défendre que même si Naruto se fait frapper par l'Amaterasu, il pourrait détacher une partie du manteau de chakra Kyuubi comme il le fera plus tard en mode ermite Rikudo, ce qui lui donnerait encore un avantage sur Sasuke. Si on ajoute à ça le fait que dans ce mode, Naruto peut désormais accumuler l'énergie naturelle plus rapidement et efficacement, lui permettant de cumuler mode Kurama et mode ermite, Sasuke n'a juste plus aucune chance. En effet, je disais plutôt que Naruto a partagé son chakra avec l'Alliance, notamment pour les téléporter en dehors de la barrière de Jubito avec Minato, eh bien, ironiquement, il a également partagé son chakra avec Sasuke, et lorsque ça arrive, ce dernier est littéralement choqué par les prouesses de Naruto en termes de contrôle de chakra. Bref, tout ça pour dire que Naruto remporte la victoire relativement largement en mode KCM2 face à Sasuke, et très largement lorsqu'il additionne le mode ermite à tout ça. Dernier élément pour soutenir cette vision des choses, lorsque Sasuke et Naruto affrontent ensemble Jubito, Sasuke a besoin de Jugo pour booster son Susanoo à l'énergie naturelle et tenir la cadence, aux côtés d'un Naruto et son avatar complet de Kyuubi, dont la puissance est comparable à celle d'un Susanoo parfait, un stade d'évolution du Susanoo dont Sasuke est encore loin, le sien venant tout juste de manifester des jambes. Maintenant, on peut passer au round Sasuke Rinnegan contre Naruto mode ermite Rikudo, soit après leur power-up reçu par Hagoromo. Et bon, on pourrait passer des heures à expliquer les interactions entre les pouvoirs des deux réincarnations d'Indra et Ashura, mais j'en ai déjà parlé souvent sur la chaîne, et je vais me contenter de vous dire que je vois Naruto au-dessus de Sasuke, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, Sasuke doit découvrir les capacités de son Rinnegan, alors que Naruto dispose plutôt d'un gros boost de ses techniques précédentes ou de pouvoirs plus intuitifs. Sa capacité de voler étant carrément qualifiée d'innée dans les databooks. Et puis de toute façon, on a bien vu leur combat, et Sasuke a reconnu sa défaite, et même si c'était surtout une victoire idéologique, je pense quand même que ça en dit long. Car déjà, il faut rappeler que Sasuke a abordé le combat avec l'intention de tuer Naruto, là où ce dernier n'est devenu sérieux qu'au moment du clash entre ses Rasen Shuriken planétaires et la flèche d'Indra de Sasuke, qui aboutira à un match nul. Et bien sûr, je rappelle que la flèche d'Indra est composé du chakra des 9 bijoux, donc il a fallu à Sasuke la puissance des démons à queue pour matcher celle de Naruto et de la moitié de Kurama. Bref, vous voyez le délire. Pour finir, on pourrait dire qu'alors que Naruto est presque totalement à court de chakra, il parvient à faire à nouveau match nul face à Sasuke qui vient de lui voler ses dernières réserves dans leur dernier clash Rasengan contre Chidori. Notons en plus que Sasuke sort son meilleur Chidori boosté au chakra Rikudo et à Lenton, alors que Naruto n'utilise qu'un Rasengan tout ce qu'il y a de plus banal. De toute façon, encore une fois, on a eu le droit à ce combat dans l'anime et le manga, et il était d'un niveau de difficulté extrême, donc on ne va pas épiloguer. Pour finir, on peut rapidement évoquer les versions de Naruto et Sasuke qu'on voit dans The Last. Et bon, si ce Sasuke a 2 ans d'expérience supplémentaire avec son Rinnegan, Naruto a quant à lui accès à une moitié supplémentaire de Kurama, donc je pense que ça compense. Cela dit, on ne connaît pas le niveau réel de Sasuke à ce moment-là, puisqu'on ne voit jamais cette version du perso réellement en action, mis à part lorsqu'il détruit un demi-météore avec un simple Chidori. Donc si on peut se faire une idée de son niveau global avec des éléments du lore et en le comparant juste justement avec Naruto, qui lui a bien plus de temps d'écran dans cette version, tenter de comparer Naruto et Sasuke dans la période The Last reposerait sur bien trop de suppositions. Alors, il y a bien cette déclaration de la novélisation de Naruto The Last, enfin je crois que ça vient de là, hein, corrigez-moi si je me trompe, qui qualifie Sasuke comme, je cite, « l'élève le plus puissant de Kakashi ». Mais bon, honnêtement, je sais pas trop s'il faut surinterpréter cette phrase dont la tournure est un peu étrange. En effet, tous les autres éléments de lore nous laissent penser que Naruto et Sasuke sont égaux, donc moi je dis que si ces deux-là s'affrontaient, ce serait un bon vieux coin flip où chacun des deux combattants aurait des chances égales de l'emporter. Après, si vous voulez placer Sasuke ou Naruto au-dessus, faites-vous plaisir, je vous laisse en juger. D'ailleurs, ce raisonnement s'applique aussi à leur version de Boruto, en tout cas avant les nerfs. On pourrait là aussi s'amuser à imaginer qui gagnerait vraiment, mais là encore, les deux rivaux sont décrits à maintes reprises comme étant égaux, se battant à armes égales face à Momoshiki, se faisant autant malmener l'un que l'autre par Jigen puis Ishiki, bref, vous avez compris l'idée.
décalée. Même narrativement, hein, Naruto le Hokage, Sasuke le Hokage de l'ombre, Naruto le sensei de Kawaki, Sasuke celui de Boruto, etc. Bon, pareil, certains vous diraient que Naruto a arrêté de s'entraîner d'après Kurama, là où Sasuke a parcouru le monde et les dimensions, et que donc il est peut-être plus affûté, mais d'autres vous répondront que Naruto est tellement plus endurant que Sasuke, qu'au final il lui reste supérieur, surtout que lui, il a encore ses deux bras et n'est pas manchot. Bref, là encore, je trouve que les mettre exactement au même niveau, comme les auteurs s'évertuent à le faire, c'est bien plus cohérent. Et évidemment, pas besoin de nous attarder sur le non-débat que constituerait un combat entre Naruto mode Baryon et Sasuke. Pareil, je ne vais pas parler d'un combat Naruto sans Kurama contre Sasuke sans son Rinnegan, parce qu'on en sait encore assez peu sur leur niveau réel, mais on garde ça pour le moment venu. Pour conclure, on peut dire que les rapports de force entre Naruto et Sasuke ont une évolution vraiment cohérente vis-à-vis de l'histoire, puisqu'à chaque fois que Sasuke a été au-dessus de Naruto, ça a servi de moteur à notre héros, là où dès que c'était le contraire, ça avait un impact plutôt négatif sur Sasuke. En effet, dès que Naruto devenait plus fort, il se rapprochait de plus en plus des gens, là où Sasuke s'isolait, soulignant le prolongement de la rivalité entre Indra et Ashura que représente leur relation. Au moment de s'affronter pour confronter leur idéologie, Naruto lui est supérieur et remporte ainsi la bataille morale, et une fois qu'ils se réconcilient, on les met sur un pied d'égalité, et tout est bien, qui finit bien. Voilà les potos, on a fait le tour de cette longue vidéo Naruto versus Sasuke, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé à tous ceux qui s'attendaient à ce que je mette en place un scénario pour les différents affrontements entre les versions des persos, comme j'ai pu le faire dans d'autres combats fictifs, mais l'idée ici c'était plutôt de voir qui de Sasuke ou de Naruto était le plus puissant sur le papier à divers stades de leur évolution. Si j'avais scénarisé chacun des rounds, la vidéo aurait littéralement duré 3 heures et ça n'aurait été agréable pour personne. Dans tous les cas, si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et surtout à liker, c'est vraiment super important pour le référencement et ça récompenserait le gros boulot que ça m'a demandé. Dites-moi en commentaire quel round vous accorderiez à quelle version de Naruto et Sasuke, je suis comme toujours très curieux d'avoir vos points de vue. Ah oui, et pensez aussi à me suivre sur Twitter, ça fait toujours plaisir, le lien est en description. Sur ce les potes, je vais aller me prendre un Doliprane parce que j'ai mal à la tête, cette vidéo est bien trop longue, et il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre Culture. Peace.